député, comme Roger. Oui. Alors, c'est mon père qui avait connu une... Il allait faire la drille, puis il avait connu une guerre malade qui suivait. Puis elle s'appelait Fleur de Mai. Puis il dit, quand j'aurai un bébé, je ferai appeler Fleur de Mai. Puis c'est moi qui est arrivé. Il l'aimait parce qu'elle était bonne sur tout ce que c'est qu'elle en faisait. Puis elle était bien particulière. Quand j'avais 16 ans, j'ai travaillé pour un magasin. Je faisais des chapeaux. Je réparais les raccourcis, les robes, les manteaux. Rosario Grimaud, un beau garçon. Il était bien instruit. Sa mère voulait faire un prêt. Et puis, rendu au point d'être un prêt, bien, il aimait bien les femmes. Il a pris une robe, mais pas la même robe. Ah, sa mère était choquée, donc. J'étais avec mes filles au Maroc. Au Maroc, on s'est bien amusé. Hein. On a visité les îles grecques. On est allé à Jérusalem. C'était très beau voyage. Parce que c'est Jésus venu au monde. Oui, on était dans l'Ouest canadien, Norvège, Suède. C'est bien facile de voyager avec elle. Elle est toujours proche de nous autres. On n'a pas peur de la perdre. En Russie, là, ben, c'est là que c'était mon dernier voyage. On ne peut pas dire que c'était pauvre. Mais Mme balayait le pavé quand les autos étaient partis, là, pour faire des sous, parce qu'il n'y avait pas de rente comme aujourd'hui, là, qu'on a, nous autres. J'ai bien travaillé, mais quand c'est assez, là, c'est assez. J'ai jamais abusé de rien. Non, je suis bien raisonnable. C'est toutes sortes de choses. Vous continuez à prendre votre tonique tous les jours? Ah oui, j'ai du tonique. Ah oui, il fait plusieurs années qu'elle prend ça. Des toniques... Multivie et vitamines? Ah, je sais qu'il ne fera pas comme moi. Mais c'est pas d'abuser de rien. Chère mamie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Chère fleur de mai, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour.